C'est l'épisode de rentrée. L'épisode de rentrée et bonne rentrée à tout un chacun. Je suis chez Louise pour regarder Koh-Lanta. On a tout prévu, les pâtes sont prêtes. On a acheté des desserts à la boulangerie. Qu'est-ce qu'on apprend? Un match à la place de Koh-Lanta? Putain, personne, et personne nous prévient. Putain, on va aller regarder un film intéressant à la place, bordel. Oh non. Trop chiant. Putain. Suivez la rencontre choc France-Finlande, on s'en bat les couilles. Bonjour et bienvenue dans Joie de Vivre 36, ma gueule. Est-ce que vous reconnaissez où je suis? Ce goût inestimable pour la décoration nous vient bien sûr de Anissa Omri, puisque nous vidons notre dressing. Lisa Margot est là aussi. On a vidé tous les placards car c'est la rentrée. Et à la rentrée, on fait du ménage. Et à la rentrée, on repart à zéro. On fait table rase du passé. Ça, c'est de la soie, c'est jamais porté. Voilà, vous allez regretter de ne pas être venue à ce dressing. Je vais la vendre même pas 5 euros, je pense. 75 euros, il y a toujours wow prix. Eh oui, les achats compulsifs. Est-ce que ça fait partie de tes bonnes résolutions de rentrée d'arrêter les achats compulsifs? Moi, en cette rentrée, tout le monde me demande alors c'est quoi tes projets? Et moi, mes projets, c'est continuer. Comme dans la chanson. Tu la connais? Quelle chanson? Mes vacances, c'est toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Non? Ça me dit quelque chose. Si, maman, si. Ah, bah oui, oui, oui. Si, maman. Voilà. J'aimerais. En fait, j'aimerais avoir des trucs précis à dire aux gens. Oui, bah j'ai un spectacle de stand-up ou j'ai si ou ça, mais non, j'ai rien de précis, tu vois. Et c'est pas grave, mais les gens ils attendent. T'as l'impression quand même. Enfin, moi je ressens une petite pression de la société qui me dit hey, il te faudrait un but afin qu'on puisse mesurer à quel point tu avances vers ce but et ainsi estimer si tu es une personne digne de respect ou non. C'était ça aussi qui me retenait d'arrêter le stand-up, c'est que je me disais ouais mais après je vais dire quoi? Je vais dire quoi aux gens que je fais quoi? Tu vois, que ça sera quoi mon purpose dans la vie? Bah c'est faire des vidéos sur YouTube, voilà. Et j'estime que c'est suffisant en fait. En fait je me justifie alors que personne m'a rien demandé en vrai. Oh, laissez-moi. C'est toi, laisse-toi tranquille en fait, Camille, tu vois. Parce que toi, tu te mets trop la pression, j'ai l'impression. Peut-être toi aussi, tu te mets la pression. Ma vie n'avance pas assez vite, je n'ai pas de projet assez concret. Les autres font plus de choses et ils les font mieux. J'allais avec ça. Ça va, Rodrigue? Oui. La dernière fois qu'on t'a vu dans ce vlog, tu te faisais des amis sur les applis d'échecs. Oui, je continue à jouer aux échecs, j'ai une maladie. Dès que je veux fuir, par exemple, j'ai des choses à faire, je veux pas les faire, je lance une partie d'échecs. Et ça je marche. Je perds, je suis encore plus mal et je me mets à faire mes choses dans un mauvais état d'esprit. Ne faites pas ça. Un conseil pour aborder la rentrée avec la joie de vivre? Ne pas penser au futur. Sur les chapeaux de roue cette rentrée. Ça enregistre, bah, j'ai rien à faire. Là, ça filme, ouais. Là, t'es parfaite, hein. Merci. T'es dans le cadre. Hein. Ouais. Je parle pas, c'est bon comme ça? Ouais. Non, attends, je voulais montrer mon nouvel accessoire. C'est des lunettes. Ok. Dès que je les mets, je suis obligée de. I'm out of love! Set me free! Chanter Anastasia. Et regardez qui va là. Qui va là? Un petit conseil dev perso pour attaquer cette rentrée dans la joie de vivre? Passer des journées à rien faire. Donc je pense que t'es sur le bon chemin. Vous savez ce truc d'ignorer ses problèmes? Bon. Bah moi par exemple ça fait 6 ans que j'ignore que je vois rien de loin. Donc j'achète plus de lentilles de contact, j'ai plus de lunettes, je fais comme si j'y voyais bien quoi. Je vais chez l'ophtalmo là, c'est bon, je reprends ma vie en main. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais découvrir la vie.
je vais découvrir les détails de ce qui se passe à plus de 1m50 de moi. Ça va être extraordinaire. Et c'est près du quartier japonais de Paris. Et du coup, c'est près de la boulangerie Aki Boulangerie. Et la boulangerie Aki Boulangerie, c'est la seule boulangerie à ma connaissance qui propose la meilleure chose du monde, à savoir des sandwichs aux nouilles. Des sandwichs aux nouilles. C'est pas très facile à dire. Mais c'est très bon à manger. Je me suis trompée, il est demain mon rendez-vous. Du coup, je me dis, je vais boire un petit café à l'hôtel Autrem. Et qui je croise? The Queen! The Queen of all! Ça va, Cam-Cam? Mais oui, ça va être. De retour de vacances? Ouais, putain, le seum. Comment se remotiver pour la rentrée là alors? Beaucoup se masturber. Je propose qu'on part tous au Brésil. Tous? Tous et toutes. Moi, je sais que. Peut-être y retourner hein, si tu veux te joindre. Ça serait ouf ça! Ça serait ouf. Mettez un pouce à cette vidéo si vous voulez que les deux Camille au Brésil. Cette fois, c'est le jour du sandwich. Ils font plus les sandwichs au nouilles. Ça me rend trop triste. Si vous savez, on peut manger des sandwichs au nouilles à Paris, dites-le moi. Merci. Bon, j'ai quand même pris un melon pan qui est un pain sucré au matcha. Ça va être bien, mais c'est pas un sandwich aux nouilles, quoi. Voilà. L'ophtalmo il m'a dit, en fait, vous avez pas besoin de lunettes ou de lentilles. Avant, je portais des lentilles tous les jours avant. Et il m'a dit, avant, vous étiez trop corrigé. Là, votre vue est mieux que ce que vous pensiez, en fait. Donc il m'a dit, si vous voulez, vous ferez des lunettes pour quand vous conduisez ou le cinéma, mais en fait, ça va, vous avez pas besoin de... J'ai résolu mon problème de vue en l'ignorant, c'est ça qu'il faut retenir, en fait. Je suis dépassée par cette magie. C'est la rentrée de ton plateau, le cercle du rire? Oui, tout à fait, avec Elsa Bernard. Ah oui, l'alcool en tant que conseil pour aborder la rentrée. Non, en ce moment, je suis pas pleine de bons conseils. Je galère un peu, en vrai. Je veux bien des conseils, par contre. C'est quoi ton conseil pour aborder la rentrée avec joie de vivre? C'est la résilience. J'ai lu une fable de La Fontaine qui a dit Parbleu. Toujours des références très actuelles avec Anissa. Parbleu. Parbleu, dit le meunier, qu'il est fou de cerveau celui qui prétend contenter tout le monde et son père. C'est soit les gens, soit les parents. Ah, et sinon soi-même? Oui, c'est ça qu'il a voulu dire, je pense. Oui. Putain, génie de la philosophie. Un génie. Waouh. Continuer à vivre, c'est quand même un beau projet déjà. C'est pas donné à tout le monde, hein. Des gens qui arrêtent avant la fin. J'ai tendance à être super impressionnée par les gens qui sont occupés, qui font mille choses à la fois, et je suis là, waouh. Par exemple, Camille de Je m'en bats le clito que j'ai croisée par hasard. Toi, t'es une entrepreneuse de ouf, t'es hyper occupée et tout. Ouais. Mais j'arrête de jouer la meuf hyper occupée. Tu vois, il y a eu une période aussi où. Être occupée histoire d'être occupée, non. Et pas jouer la business girl histoire de jouer la business girl. Faire un projet à la fois aussi, pas se laisser embarquer dans un truc de ouais, je suis busy, j'ai ça. Moi je me dis cette année, faut quand même qu'on pense à nous quoi. Enfin, tu vois, à chaque personne en tant qu'individu, j'ai l'impression qu'on se concentre pas assez sur nos besoins. Ça peut paraître tellement débile et je me suis tellement foutu de la gueule des gens qui disaient ça. Mais c'est tellement vrai. Oser sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Ça va être quoi là, prendre des risques pour toi cette année? Déjà apprendre à dire non à des trucs. Et puis prendre des risques, prendre beaucoup de temps pour moi. Enfin, vraiment ne pas travailler le week-end, ne pas se laisser bouffer par tous ces tourbillons dans lesquels on se retrouve et qui peut vite nous mettre HS. Et je ne me mets pas HS. Bon, okay, tant mieux. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Normalement, quand vous le regarderez, je serai plus riche d'au moins 25€ puisque j'aurai vidé mes placards grâce à vous qui me suivez sur Instagram et qui êtes venu à ce vide dressing aujourd'hui. Suivez-moi sur Insta si vous voulez. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être un de vos projets de rentrée, voilà. Je suis Camille sur Insta et je like assidûment ses posts, je les commente, je regarde les stories, je réagis. Ça vous apporte de faire partie d'une belle communauté de gens heureux qui aiment la joie de vivre. Et ça... ça n'a aucun prix. Bonne rentrée. Ciao.